السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Problème, on a fait un temps commun 2021. Trouvez tous les triplets x, y, z, le nombre réel où x supérieur est égal à 1, y supérieur est égal à 1, z supérieur est égal à 1, tel que x plus y facteur de 1 plus 1 sur x, y est égal à 17 sur 4, et y plus z facteur de 1 plus 1 sur y, z est égal à 25 sur 3, et z plus x facteur de 1 plus 1 sur zx est égal à 33 sur 4. Donc, on va voir la réponse. Donc, c'est un exercice qui est facile. On va voir la solution. Cette système-là, on note par S, il est équivalent à quoi? Équivalent à, donc x fois 1, c'est exactement x, le x plus y fois 1, c'est exactement x, plus y, plus quoi? X sur xy, plus y sur xy, est égal à 17 sur 4. J'ai rien fait. Ici, c'est exactement y plus z plus y sur yz plus z sur yz est égal à combien? Est égal à 25 sur 3. De même, ici, z plus x est égal plus z sur zx, ok, plus x sur zx est égal à 33 sur 4. On va simplifier, je peux effacer ça, ce qui est équivalent à quoi? On va simplifier ici avec x. X à l'infini mal x c'est 1. Y mal y. Ici y mal y. Ici z mal z. Ici z mal z. Ici x mal x. Il vous reste quoi? Ce qui est équivalent que x plus y plus 1 sur x plus 1 sur y est égal à 17 sur 4. De même, y plus z plus 1 sur z plus 1 sur y est égal à 25 sur 3. De même, z plus x plus 1 sur x plus 1 sur z est égal à 33 sur 4. Je peux effacer ça. Ce qui est équivalent à quoi? Quand la formule est dans la commutative, tous les cas ici c'est équivalent. X plus 1 sur x plus y plus 1 sur y est égal à 17 sur 4. Et y plus 1 sur y plus z plus 1 sur z est égal à 25 sur 3. De même ici, x plus 1 sur x plus z sur z est égal à 33 sur 4. J'ai rien fait. Je peux effacer ça. Ici, on pose alpha, c'est exactement x plus 1 sur x, et bêta est égal à, par exemple, y plus 1 sur y, et petit delta est égal à z
plus 1 sur z. Donc cette équation-là, on note par esprit, donc équivalent, esprit, équivalent à alpha plus bêta est égal à 17 sur 4. Et bêta plus petit delta est égal à quoi? 25 sur 3. Et alpha plus petit delta est égal à 33 sur 4. On note la première ligne, c'est exactement L1. On note la deuxième ligne, c'est L2. On note la troisième ligne par L3. Ok? Je peux effacer ça. Ok. Ce qui est équivalent à, on fixe ligne L1, alpha plus bêta est égal à 17 sur 4. Ici, on va faire L2 moins L1. Donc là, c'est L1. D'abord, on note L1, L2 prix. C'est exactement quoi? Radinguero L2 moins L1. Il est donné L2 moins L1. Atmchi lk bêta mع bêta, ya kayebqى lk chhal? Petit delta moins alpha. Petit delta moins alpha est égal à combien? Est égal à exactement 25 sur 3 moins 17 sur 4. Ouhra, il y a alpha plus petit delta est égal à exactement 33 sur 4. J'ai rien fait, c'est après. Je peux effacer ça. On a 25 sur 3 moins 17 sur 4. 4 fois 25, c'est 100. 3 fois 17, c'est exactement 51 sur 12, qui est égal à exactement quoi? C'est exactement, c'est 49 sur 12. Ok? Il y a une idée que c'est 49 sur 12. Je peux effacer ça. Maintenant, après le calcul, c'est 49 sur 12. Ok? Ça va pour tout le monde. Je peux effacer ça. D'abord, il est équivalent à quoi? Ce qui est équivalent à quoi? À alpha plus bêta est égal à 17 sur 4 et exactement gamma moins alpha est égal à 49 sur 12. C'est L2 prime ici. C'est L1. Ici, c'est exactement, on va donner, nommé par L3 prime qui est égal à exactement, c'est L2 prime plus L3. Cette quantité-là, c'est exactement, c'est 2 petit delta, est égal à exactement, c'est 33 sur 4 plus 49 sur 12. Ok? Je peux effacer ça. Or, 33 sur 4 plus 49 sur 12. Ici, on va multiplier par 3. Donc, c'est 12. Ici, c'est 99 plus 49 qui est égal à exactement 148 sur 12. Or, 148 est divisible par 4. Est égal à combien? C'est exactement, c'est 37. C'est 37 sur 3. Donc automatiquement, cette quantité-là, c'est exactement, c'est 37 sur 3.
Ok. Automatiquement, petit delta, exactement, c'est 37 sur 6. Ok. Je peux effacer ça. باش نعقلوا على هذه نكتبوها الفوق ايكيفالون ا الفا بلس بيتا ايتيغال ا 17 سور 4 اي تي دلتا موا الفا ايتيغال ا 49 سور 12 اي تي دلتا ايتيغال اكزاكتومون سي 37 سور 6 سي بيان. Ok. Or, yak, petit delta est égal à z plus 1 sur z, qui est égal à 37 sur 6. Ce qui est équivalent à quoi? À z plus 1 sur z est égal à exactement 37 sur 6. 37, c'est exactement quoi? C'est 6 plus 1 sur 6. Pourquoi? Car c'est 36 plus 1, c'est 37 sur 6. Automatiquement, elles vont quoi? Z moins 6 est égal à quoi? Est égal à 1 sur 6 moins 1 sur Z. Qui est égal à quoi? Qui est égal à Z moins 6 sur 6, Z. Ok? Je peux effacer ça. Ce qui est équivalent à quoi? Redis-je voir le taf l'achat. Z moins 6 moins Z moins 6 sur 6Z est égal à 0. On a qu'à simplifier ce qui est discriminant dans le taf. C'est tout le monde qui a fait la méthode. Le mohème est à la nature. C'est vrai. Et vous avez l'air d'aller comme l'insan. Il y a un peu de temps pour faire des choses. Il y a un peu de temps pour faire des choses. Il y a un peu de temps pour faire des choses. Donc automatiquement on va factoriser par z moins 6, facteur de 1 moins 1 sur 6z est égal à 0. Ok, je peux effacer ça. Il y a des cas de misbel les élèves, quand vous allez le faire, vous allez le faire. N'abdjiri pas le khalis intérieur, n'a chassien, crête flagrégation, crête flafak. Des diplômes d'agrégation, quand on a fac, il y a des gens qui ont un doctorat ou qui ont la logique. Ou il y a des agrégés, on dit, ou la logique n'a pas. C'est égal à 0. Ok? Ce qui est équivalent, ou tu as une langue française, ou tu as une langue française, ou Z est égal à 1 sur 6. Or, Z est supérieur ou égal à 1. Comme Z est supérieur ou égal à 1, automatiquement, seule valeur c'est quoi? C'est Z est égal à 6. On passe à l'autre. Donc on l'a trouvé exactement, Z est égal à 6. Or, L2' équivalent à quoi? Exactement, c'est alpha, c'est exactement delta moins alpha est égal à exactement, c'est 49 sur 12. Ok? Ce qui est équivalent que alpha est égal à quoi? Est égal à 49 sur 12. Donc alpha est égal à 49 sur 12 moins quoi? C'est exactement, excuse-moi, c'est exactement donc alpha ici, donc c'est exactement, c'est delta, c'est 37, c'est delta moins 49 sur 12. Qui est égal à exactement quoi? C'est exactement 37 sur 6 moins 49 sur 12. Donc c'est exactement quoi? Regarde, on va multiplier ici par 2. Donc on a fait comme 74 sur 12.
كيتيكال اكزاكتومون كوا دونك انا لازمنا واحد هنا 75 هنا 50 دونك غادي نضيفو واحد ونقصو واحد دونك 75 ناقص 50 سي اكزاكتومون 75 سور 12 اور الفا est égal à exactement quoi? C'est exactement quoi? C'est x plus 1 sur x est égal à 25 sur 12. Ok? Je peux effacer ça. Ce qui est équivalent à x plus 1 sur x est égal à exactement c'est 16 sur 12 plus 9 sur 12. Ok? Car 16 plus 9 c'est exactement quoi? C'est 25. Donc, à fois, je vais faire le cas x plus 1 sur x est égal à quoi? C'est exactement, on va simplifier avec A, 4, il reste 4 sur 3. Ici, c'est exactement, c'est l'inverse, c'est exactement plus quoi? 3 sur 4. Ce qui est équivalent que x moins 4 sur 3 est égal à 4 sur 3, 3 sur 4, excuse-moi, 3 sur 4 moins exactement 1 sur x. Okay. Ce qui est équivalent que x moins 4 sur 3 est égal à 3x moins 4 sur 4x et 3x moins 4 sur 3. Ok? J'ai vu à dire taf l'achat, ça fait 3x moins 4 facteur commun, 1 sur 3 moins 1 sur 4x est égal à 0. Je peux effacer ça. Ce qui est équivalent. Quoi que 3x est égal à 4, ou bien 1 sur 3 moins 1 sur 4x est égal à 0. Ce qui est équivalent que x est égal à 4 sur 3, ou bien exactement 1 sur 3 est égal à 1 sur 4x, c'est-à-dire que x ici, là je vais avec la tâche, là, 4. C'est bien. Je peux effacer ça. Or, x est supérieur ou égal à 1, ce qui implique automatiquement que x est égal à 4 sur 3. Nous avons la ligne z qui est 6. Ou x qui est 4 sur 3. D'abord, nous sommes l'achira. Je peux effacer ça. On a alpha plus bêta est égal à exactement 17 sur 4. Ok? Or, alpha est égal à exactement c. Alpha est égal exactement c. 25 sur 12. Ok? Ce qui implique, on a, or, ce qui implique automatiquement que bêta est égal à quoi? Est égal à 17 sur 4 moins 25 sur 12. On va multiplier ici par 3 et dans 51, moins 25 sur 12. Il donne exactement ces 26. Sur 12. C'est exactement quoi? C'est exactement 13 sur 6. Automatiquement, bêta est égal à
13 sur 6. Et comme bêta est égal à y plus 1 sur y, ok, je peux effacer ça. Ok, ce qui est équivalent, quoi, que y plus 1 sur y est égal à exactement c'est 13 sur 6, ce qui est équivalent que y plus 1 sur y est égal à quoi? Est égal à 13 sur 6, c'est exactement quoi? C'est 9 sur 6 plus 3 sur 4, excusez-moi, sur 6. Je peux effacer ça. Ce qui est équivalent que y plus 1 sur y, on va simplifier avec 3, il reste 3 sur 2, plus 2 sur 3. Automatiquement, ici, après le calcul, on va dire le même calcul, on va dire le calcul, on va dire y est égal à 3 sur 2, ou bien y est égal à 2 sur 3. Automatiquement, y est égal à 3 sur 2, car y est supérieur ou égal à 1. C'est très simple pour voir les choses. Voilà. Conclusion. C'est quoi l'ensemble de solutions dans R3? On travaille dans R3, les triplis. C'est exactement x est égal à 4 sur 3. C'est l'unique solution. Deuxième, c'est exactement y est égal à 3 sur 2. Et z est égal à 6. Tiens les gars, il faut vérifier. La petite solution là, ou tu as les 3 équations. Parce que tu as vu, il s'est vu. Donc, je crois que nous avons une force académique. بحول الله وبالتوفيق لجميع المترشحين والمترشحات.